Lundi 29 octobre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la CAO pour nous capables de porter pour la première sortie de journal pour semaine si là, mais principal point cap pour faire essentiel dans le journal pour matin lundi. Travail infrastructure et construction où tu apparaît pour suivre dans plusieurs communes d'un pays en cas de caravane de changement. Beladère, il avache, Kafou Bérou et diverses autres villes, c'est parmi côté travail ça y a réalisé. Juge d'instruction ville Saint-Maclamet Dionel Lumérin a arrêté vendredi passé ancien directeur général de police nationale d'Haïti Godson Aurelius. Arrestation s'est faite dans le cadre entre instruction juge l'a mené dans un dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sur WAF Saint-Maclan en date 8 septembre 2016. Là. Et puis, Fédération nationale magistrat ici, on peut préparer pour organiser le premier congrès national qui a commencé jeudi 29 là, qui a déroulé 31 octobre, qui a venu là. Congrès, c'est un espace réflexion sur la situation collectivité territoriale. Et puis à l'échelle internationale, nous prenons dans le pays Brésil pour nous faire connaître Jair Bolsonaro, ce nouveau président pays Brésil, a remporté l'élection avec un valeur 55% de vote. Extrême droite là prend tête pays a pour qu'on y a un pile brésilien fait connaître nouveau président a une responsabilité sauver pays Brésil. C'est principal point ça qu'un pilote cap on fait essentiel le journal là pour maintenir rester branché dans le tout pour développement yo avec un pilote encore. Merci parce que toujours été branché télévision l'État. On peut souhaiter tout le monde bienvenue dans le développement information. Et j'ai qu'on annoncé le ensemble titio n'a pas démarré pour une fois qu'on a un juge instruction ville Saint-Maclan maître Dionel Lumérin arrêté vendredi 26 octobre là ancien directeur général de police nationale d'Haïti à Godson Aurelius. Arrestation s'est faite dans le cadre instruction juge l'a pas mené sous dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sur WAF Saint-Maclan dans date 8 septembre l'année 2016 passé. On a pas vite au suivre ensemble avec Pradel Henriques. Juge d'instruction Saint-Maclan Dionel Lumérin attendait ancien directeur général la police là Godson Aurelius vendredi 26 octobre 2018 là pour une deuxième fois dans quatre dossiers cargaison d'armes et illégal qui était débarqué sur WAF Saint-Maclan dans date 8 septembre 2016. Après audition, juge l'a fait un mandat dépôt pour ancien directeur général là côté sécurité qui était accompagné. Il a chiré mandat dépôt. Tout bien laissé frapper entre sécurité, agent parquet, ensemble avec les policiers qui étaient décidé pour arrêter ancien directeur général là. Même agent pénal, Jeto ainsi connu, a chiré mandat devant juge d'instruction qui était obligé. On est un juge de paix pour faire constat. Il a fait un deuxième mandat dépôt. Et pour Nando, ancien directeur général de la police, Godson Aurelius, lui-même qui fermait au niveau de prison et civil Saint-Martin. Après avoir bloqué, il y a un pile d'armes dans la cargaison qui était débarqué au niveau de Saint-Marc dans la date 8 septembre 2016. Et un dossier à suivre. Depuis Saint-Marc, Pradel Alexandre, Télévision nationale d'Haïti. Merci avec correspondant nous Pradel Alexandre qui t'a présenté nous circuit ici là. L'autre information dans le journal là n'a pas toujours été dans ville provinciaux pour nous faire connaître dans Raboto divers travaux qui a exécuté dans cadre caravane changement pour poursuivre dans cité indépendance là et dans ça nous pourrons suivre un reportage en suivant. Travail construction route après poursuivre dans plusieurs rues en Daraboto, ville Gonaïve. Pour Koulia, rue Jean-Jacques, Égalité à Camagnol, à Bétonné. Moun nan zone sa ou fait konnen, yo pa jam pense yon bonjour, yo tap fini à causer pile la boue, à poussière, qui te tourne yon étiquette pour Raboto. Journée jodi a, pour yo, c'est un rêve qui tourne réalité. Avec si nous content pour sa président Péa, dans tout président passé, nous pas joindre ça. La route la pas même parce que c'est notre dos qui a marché. De Kounia, là, pour nous, à notre Moïse, et Kounia, là, nous marchons, nous marchons tous les trois. Si je dis à caravane changement, où est-ce que nous dans la boussa? Et tout le monde prend ou libre sur nous là, chaque année, chaque congrès élection, vine prend ou libre, vine ba nous parole, vine fond de zéro, nous pour nous voter. Et puis, pas rien que fait, je dis à nous un gros coup de chapeau pour le président Jovenel. Et nous disons, continuez à caravane changement, parce que plus devant, on l'a carré tout Haïti a, et tant de politique Jovenel là. Route cap fait tout partout dans Raboto, en tout 3,5 km, c'est résultat caravane changement, une stratégie qui visait exécuter projet infrastructure à tout niveau, sur tout pays a.
Pendant Raboto en chantier, route a bétonné, moun zon nan di, y a tant président République Jovenel Moïse rivé ak programme électrification la kayo, jan sa commencé fait dans une série commune dans pays a. Merci à la collaboratrice nous, Sabine Jean-Etienne, qui t'a présenté le reportage. Si là, on a toujours été dans sa rigueur pour avec dossier infrastructure. Pour une fois qu'on est dans le cas Foujoff, responsable chantier annoncé, équipe TPTCA reprenne travail. Dans ce sens, il y a une disposition qui est adoptée pour capable poursuivre avec asphaltage en dans travail. On a invité à suivre le reportage. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Caravane Changement. Et nous sommes fait plusieurs visites sur route là, nous sommes à Foujoff pour entrer à Gaumont. Nous avons une série de travaux à faire. Est-ce qu'on est capable d'expliquer pour les téléspectateurs l'émission Caravane Changement qui ça travaille ça oui? D'accord. Nous-mêmes, le travail là, nous divisons en plusieurs sections. C'est-à-dire de PK 0 à PK 5, nous asphaltons déjà, on pourrait asphalter. Mais il était à côté de moi pour nous faire avec des murs de l'autre bois fossé. Ensuite, nous avons une déviation. Déviation sortie de PK 10-5 à PK 10-15-200. Là, on parle de PK. Qui ça en PK veut dire? En PK, son point kilométrique. Ça veut dire c'est longueur. C'est sous longueur. PK 15, c'est 15 km. C'est 15 km. À partir de qui ça? À partir de Kafoujoff. Kafoujoff, nous considérons comme PK 0. 0 km. D'accord? Cognier, qui ça? Nous diviser deuxième tronçon ça. Deuxième tronçon ça, nous obligé de passer par déviation, par monde. Parce que tronçon ça, chaque la pluie, l'inondé, et chaque cyclone, l'endommagé. C'est-à-dire, sauf qu'on s'est investi des jardins, qui allait déjà. Donc, nous pas qu'à reconstruire. Et tronçon ça à même côté. Nous obligés de passer dans mon navet, c'est ça nous relève déviation. Déviation fait 10 km. Donc c'est là-dedans que nous travaillons. Nous avons un bulldozer qui travaille là-dedans. Donc après 10 km, ça, nous venons tomber sur la route là, en bas, Mon Lacrette. Mon Lacrette, dans PK 15 lui-même. Donc PK 15, nous montons, nous paraître là, et nous montons sous tête Mon Lacrette. En haut, sommet, PK 16, ça veut dire 16 km. Donc, nous avons 16 km de Kafoujoff. Ok? Donc, pratiquement, l'un arrivé avec le deuxième, troisième, nous allons faire fossé. C'est-à-dire, au niveau Mon Lacrette, nous finissons couper Mon là. Nous sommes passé de 14 remplants, de 4 pentes, de red, de 14%, nous diminuons à 9%. Donc maintenant, on peut passer sans problème, on va même compter si on passe là. Et ça, nous va l'asphalter l'eau. Et qui ça n'a pas fait ce travail qui était pour faire entre Kafoujoff? Parce que l'homme, on a rentré, vient pas de paix, arrivé en quantité dans la route là, en quantité dans la route là, où est l'asphalte dans le campé. Quand on a tout travail là, où on a commencé encore plus bas, puis devant dans la zone de la crête, qui ça a fait à tronçon ça? Tronçon ça, pratiquement, l'a construit en construction parce que nous avons un bulldozer sous lui. Nous avons un problème qui fait nous tarder à tronçon ça. Nous avons un problème d'expropriation. Il n'est pas campé. Il n'est pas campé. Parce que, et après, nous avons un caille qui est tombé directement en dedans. Et en dans terrassement. Donc, il faut, pour prendre toute emprise là, il faut qu'on élimine Kaysa. De toute façon, mais nous et CPA, nous avons une procédure pour lui exproprier Mounio pour le déplacer. Et travail ça, nous sommes visités sur route là, nous avons fait, Kafoujoff a avancé à grand pas. Et travail ça, dans combien de temps comme ça, nous pensons que nous avons remis la marchandise là? En principe, deux ans, nous planifions deux ans pour nous arriver. Et travail qu'a fait au niveau Mon Lacrette là, dans combien de temps nous pensons la bien ta fait? Mon Lacrette là d'ici mois de novembre, on a fini avec elle. On a fini avec elle mois de novembre. Et donc asphalte là, nous commencer asphalte là d'ici mois de novembre décembre, nous connecter bout ça. D'accord. Deuxième tronçon que nous allons envisager, c'est de la Cule vers Gaumont. Et puis nous avons quatrième tronçon de la Cule vers Bassin Bleu. À partir de qui matière n'a fait travail ça? Parce que il était boui que nous pas gagné matériaux pour continuer à travailler. Côté nous jeune matière pour nous faire. Non, nous jeune matière dans et laboratoire. À partir de laboratoire qui fait des tests sous lit, nous gagne rivière la Cule, rivière la Branle. La Branle qui va nous matériaux, rivière la Cule qui va nous matériaux. D'accord? Donc pratiquement n'a fait corps de chaussée, c'est-à-dire fondation
avec matériaux tout venant de la Branle et de la Cule et Trois-Rivières. Mais donc ici la Cule là dans base nous là le travail normalement fonctionne. Le travail normalement il fonctionnait. La préparer matériaux pour nous café à soit. Et nous pouvons le faire à soit sous toute pratiquement de Kafoujof à Port-de-Paix c'est 77 km. D'accord? Donc de Kafoujof à Gaumont c'est 23 km. Et c'est sous l'île là. C'est sous l'île là. Merci. Donc, pratiquement avant de gagner déviation de gagner 26 km. Avec déviation nous économiser 3 km. Et zone non pas inondable. Sous passerelle, nous font déviation tout sous passerelle mais qui picoute. Donc de telle sorte nous obligé passer dans mon nom pour aller. Merci en pile ingénieur Franck Joseph. Pas de problème. Gain plaisir de travail aménagement qui a fait dans la commune Biladère dans le cadre de caravane changement. Avec travail ça y a gain plaisir kilomètres route qui a asphalté dans diverses rues dans la commune là. Dans l'occasion célébration 70e anniversaire ville Biladère. On a profité de suivre un reportage qui porte signature Fallen Delphin. 9 camions, 2 rouleaux, 2 gradeurs, 2 loaders, c'est quantité matériel qui sous place pour réaménager rue Myrtille, rue Gazon, rue l'Hôpital, rue Cité-Tol et boulevard Belader là. Série travail ça yo, c'est ministère travaux publics, transport et communication qui a exécuté yo dans quatre caravanes changement. D'après ingénieur responsable supervision travail ça, Jean-Yvon Dorguil. Comme président déjà promettre il y a un gars pour l'asphalter. D'ailleurs, rue Myrtille là, que on va salter. Donc c'est hier soir nous commençons l'asphalte. Depuis avant nous mettons l'huile au asphalte. De même que tout, même côté à tout, nous gagnons pour l'asphalter rue Gazon, on met rue l'Hôpital, n'a pas asphalté tout et rue Hertelou. On est comme ça dans le titre d'étoile. Donc où ça va salter là? Gagnons un film vraiment qui prépare l'asphalte là pour nous, qui vient de poser pour nous. Mais nous même faire préparation, mais tout et tout, zéro carte, zéro nous, base de fondation, tout et tout. Pour la population dans la commune, le travail ça va changer la figure de zone et faciliter le tour dans l'activité pour entreprendre. Nous n'avons pas de ça avant, nous n'avons pas de tout bail ça. Je dis à tout bâtiment à préparer, tout route à faire, tout bail à faire, c'est extraordinaire pour nous. Tout travail ça, c'est un travail qui est louable. Dès que le président a offert nous ça depuis un moment de campagne et nous qui a réalisé. Nous pensons que c'est la réciprocité qu'il a pris nous après ça nous a fait pour lui pendant la campagne, pendant l'élection qu'il a faite dans Belader. Ville Belader située dans le département Saint-Pays d'Haïti, arrondissement Las Caobas. Il était inauguré sous président du Marseille estimé 31 octobre qu'a venu la ville ça après célébrer 70 années d'existence. Nous souci pour capable de vous informer sur le travail infrastructure qui a fait dans la commune Ilavache, une équipe de télévision nationale d'Haïti, terminé dans la commune Silla pour regarder dans quel niveau le travail a avancé. Lunel Jean-Louis, Laura Dali Jean-Jacques a été déplacé pour la télévision nationale d'Haïti, nous avons invité à suivre votre compte rendu. Terrassement déjà fait une fête sur la route principale qui relie Mme Bernard à Pis Aviation. D'après le responsable chantier, ingénieur Rodrigue Termilus. Nous faisons mise en blé normalement sur toute la route. Et après mise en blé, nous prêts pour mettre ça en relais 31.5 sur la route. Et c'est à niveau ça que nous prétendons. Si vous constatez là, après un pile matériau qui est là, c'est 31.5 qui est déjà stocké pour nous commencer à faire mise en place 31.5. Nous normal. Et nous avons 2-3 lignes bus qui nous posent sur le pour aimer des têtes qui là, que ces bus qui nous posent. On a pris d'autres ouvrages pour nous poser ce poisson. Mais après ça, linéairement, route normale, tout va fonctionner très bien. Nous avons appris que la route n'a pas grand pile l'eau, grand pile côté qui est la boue, d'essayer de côté, d'essayer de puis nous traiter. Mais faire mon yo connaît tout par rapport avec ce route n'a fait, route n'a surélevé par rapport à la mise en place de matériaux qui est. Et quand nous sommes plus bas par rapport à la terre naturelle, ça fait quelques côtés, des petits de l'eau qui fait des ordres. Après 8 jours, la pluie a tombé, la journée qu'on a nuit. Après 8 jours, nous même faisons un constat, nous évaluons ce que nous avons besoin, nous faisons de l'eau à passer normalement, en attendant que nous commencions à faire d'autres ouvrages sur ton soir. Le travail ça a duré combien de temps pour le prendre fin? Ah, Zami, nous t'as supposé que nous avons ce Mme Bernard, si logiquement, tout le monde est respecté, la nature par contre nous, avant décembre, tu as supposé commencer à faire sacré mise en asphalte sous lit. Sous tronçon, Mme Bernard Aviation. Mais par rapport avec la nature, moyen de transport, quand tu as suivi les Kenyans, pour porter matériaux, ça prend temps.
Et quand il y a des matériaux, volume, ça qu'on a besoin là, la prend du temps pour battre à porter pour nous. Citoyens qui vivent dans la commune de la Vache, expliquent la situation difficile, ils ont compte c'est bien à chaque fois qu'ils ont fréquenté au Tsar. Ils ont montré très reconnaissant vis-à-vis de l'autorité, à cause du travail qu'ils ont fait, pendant qu'ils ont demandé responsable, ils ont continué à accompagner, ils ont mis des bonnes infrastructures dans la commune. Tout le monde est la Vache content, parce que c'est la première fois que nous venons à la Vache. Et où ça? Si pour nous deux qui sommes contents pour tout ça que fait là, nous ne pouvons pas nous donner le président pour ça encore. Parce que nous avons besoin d'autre bagaille encore, qui est là, oui. Mais c'est route à prix mondial pour nous venir là. Nous avons besoin de lumière, bon drop pour nous venir pour la Vache. Route à être déplorable longtemps, nous ne pouvons pas circuler, nous ne pouvons pas comprendre route, c'était cheval, cheval à coller. Quand nous normal, la pièce tombe, nous avons circulé la moto normalement. Pour le travail qui fait dans la route là, nous sommes tellement contents. Ce n'est pas qu'à expliquer le problème ça. Parce que avant, dans cette époque, papa, là, la place qui fait ici, là, l'autre voyage à côté, pour être de l'eau, de l'eau est dans le chemin, le tapis. Quand il y a de l'eau, mais de l'eau passe en bas. Malgré nous perdons du jardin, malgré le jardin qui n'a plus battu, nous perdons. Mais nous parlons toute la pluie a tombé, les gens qui veulent aller au local, ils ont une moto, ils aller. Au commencement, il n'y a pas de bon du tout. Comprends? Moun pas ka marcher, il fait gros la pluie. Bête, on doit mourir en route. Est-ce que vous a travail, ça a commencé là. Moi-même, féliciter le président. Vous équipe qui cap fait travail là tout. Je félicite vous tous. Parce que vous commencez le travail, mais vous n'avez pas arrivé en fin. Mais c'est un gros potage lié là. Ça fait là. Là. Nous connaissons plus devant, nous avons plus. Et nous avons demandé pour gagner plus. Tronçon route qui relie Cafou Madame Bernard Pisse Aviation a mesuré 8,2 km d'après sa ingénieur Rodrigue Termelis qui est responsable chantier a fait qu'on est. N'a pas toujours été dans le même dossier si là pour nous faire connaître magistrat en après commune il en vache là Jean Fritinel Pierre félicité travail construction route Madame Bernard Pisse Aviation. Magistrat souhaite gagner plus de travail qui fait dans la commune, une façon pour capable améliorer les conditions de la vie citoyenne. Nous avons invité à suivre une bonne intervention magistrat en après Jean Fritinel Pierre qui était dans le micro, lui, Jean. Faut me dire ouvrir, nous avons une route impraticable parce que là, nous rencontrons avec le président, nous avons demandé de visiter la route là. Et là, il finit de visiter la route là, il était à ce côté où nous ne pouvons pas vivre. Lui, c'est bon pour lui. Vini avec caravane changement dans la commune de la Vache. Il faut me dire, nous, le précis, il vini avec caravane. Non? Il faut me dire, pour la route principale là, actuelle là, nous sommes capables de circuler. Bien. Même les gens l'appui, nous sommes capables de circuler. Avec caravane changement, nous entendons pour nous garder, pour nous voir si nous sommes capables de faire quelques petites routes secondaires, même les en terre battue. Mais quand même, et d'abgarder pour nous, ça nous a fait. Avec faible moyen, nous, avec, ou qu'on est là, ou, dans une troisième catégorie, dans qui difficulté, ou y est, dans qui problème, ou y est, mais qu'on est, surtout, moun qui n'a caravane changement, yo gagne un pile estime pour vous, commune de Lavache. Yo travaille en partenariat avec mairie de Lavache, et forme d'aujourd'hui à là, n'a utilisé moyen, nous, pour nous garder pour nous, surtout, moun qui, dans zone reculée, regardez si vous êtes capable de rencontrer, de passer, pour venir dans la route principale là, pour nous garder pour nous si vous êtes capable de venir. Et forme de même les impraticables, mais quand même, je ne vous dis, entre caravane et la mairie, nous garder pour nous ça dans le café pour nous pour nous capable accès avec la route. L'ICIA qui est en mauvais état. Parce que nous parlons avec le président déjà concernant l'ICIA. Lui assurer nous que si premier trimestre là, si nous avons passé comme ça, mais deuxième trimestre là, que tout bagaille a réglé, et nous avons consulté ONG tout, et forme actuel là, qui a mené en pile investigation pour regarder pour nous, qui rencontrer avec ingénieur et travail ça. Je vous dis à là pour nous regarder pour nous, au moins deuxième trimestre, et l'école là pour regarder pour nous, si nous avons été capable, parce que forme du si nous avons une mauvaise situation. Et pour nous garder pour nous, si au moins nous avons mis des petits mounions dans le côté qui est confortable. Nous avons rencontré le président, nous avons demandé qu'il faut que nous ayons un bus pour petits mounions à l'école. Et il faut que le président ait accordé nous un bus ça.
Fédération nationale magistrat haïtien a organisé soudi jeudi 29 octobre la rive 31 octobre cap Vinila premier congrès national en Port-au-Prince. Premier congrès ça c'est près un espace échange et réflexion sur situation collectivité territoriale d'après président FENAM magistrat Julie Dwopia n'a pas vite suivre. FENAM, ensemble avec tout magistrat dans 140 communes dans le pays, a décidé d'organiser le premier congrès, 29-31 octobre, qui a venu là, dans le Triomphe, en lundi 29, et BRH 29 de l'après-midi 30-31, pour être capable de créer espace, un espace d'échange, de dialogue, de réflexion sur la situation générale collectivité, et garder comment l'État est capable justement de mieux coordonner ces actions avec les collectivités pour faciliter que dans la fourniture de services, il y a plus d'efficacité et d'efficience pour chaque centime, pour chaque effort que l'État, le gouvernement a décidé de faire vis-à-vis des populations qui vivent dans ce territoire-là. Le thème central là, c'est en route vers un développement local intégré. Et l'objectif de poursuivre dans le cadre d'organisation premier congrès, c'est aboutir comme extrait, comme output à s'annoncer le manifeste de la décentralisation en Haïti, où les maires de la République, les partenaires, vont exprimer leur foi. Mais dans ce secteur qui représente l'avenir de la République, je dis à situation communio assez alarmante. Responsable la soin a lancé vendredi 26 octobre une nouvelle plateforme soins santé numérique dans le pays. Une enquête sous question soins santé à distance. Enquête ça cap durer 3 mois pour permettre responsable la soin a prendre commentaire proposition citoyen yo ça puis bon façon yo capable permettre population bénéficier soins santé à distance. N'a plus été suivre un extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Nous là dans le cadre du lancement d'une enquête sur la question de télémédecine. Nous avons parlé de télémédecine, c'est soins de santé à distance. Donc, télémédecine, c'est une pratique médicale qui fait à distance par le biais de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a fait chemin. Donc, nous venons avec une proposition, comme nous connaissons le système de santé noir. Nous avons un paquet de problèmes là-dedans, nous n'avons pas bien accès à soins. Alors, imaginez la quantité de médecins qui sont supposés bien pour X de population, nous pas bien en Haïti. Donc, nous là, nous faisons proposition par rapport à l'expérience que nous avons fait, soit dans le gouvernement jeunesse là, nous faisons plusieurs propositions, soit nous n'avons pas en charge. Donc, nous-mêmes, nous faisons proposition qui c'est télémédecine qui est en à travers un paquet de pays à travers le monde. Donc c'est nous-mêmes qui sommes initiateurs là. Nous là matin pour que nous soyons capables de lancer une enquête pour nous demander à la population qui ça comprend de télémédecine. En enquête là, qui ça son enquête qui anonyme, qui a permis nous, c'est un ensemble de questions. N'a demandé mon combien, comment tu as souhaité pour service à tailler, soit en termes de financement, comment tu as pour gagner accès avec soin, combien tu as souhaité pour service à tailler, qui ça comprend de télémédecine, qui a un ensemble de questions qui peut vivre, est-ce que tu as un médecin qui proche ou lorsque ou gon tête fait mal ou bien ou gon fièvre, qui première intention qu'on gagne, est-ce que c'est quand médecin ou aller ou bien c'est une information, ensemble de questions qui gagne dans forme pour que nous capables d'essayer d'analyser, comprendre compréhension population de questions de télémédecine en Haïti qui déjà à travers le monde, Canada, en France, tout ça, mais en Haïti c'est nous-mêmes la soignante qui sont application qui c'est initiateur projet ça. C'est en ligne que nous faisons, nous pas faire sous papier dur, sous support dur, nous permettre si on enquête qui fait en ligne numérique. Une fois que vous avez accès avec Facebook, l'autre réseau social, donc vous avez possibilité pour que vous soyez capable d'aller sur la page, soit à la Fondation Locker ou bien la Sounyaï, page la Sounyaï, pour que vous ayez accès avec FOMSA, qui a un ensemble de questions que vous avez répondre, que vous avez pris vue, que vous avez contribué tout dans la télémédecine pour que vous soyez implanté en Haïti. Le
Nous prenons les en actualité internationale. J'ai qu'une dernière le sommet TTO pour nous faire connaître Jair Bolsonaro, c'est nouveau président pays Brésil. Les remportes élections avec Yon Valais, 55% vote. N'a pas vite suivi un reportage à Euronews. Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La quatrième plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Ce pays appartient à chacun d'entre nous, aux Brésiliens nés ici et à ceux qui se sentent comme tels au fond de leur cœur. C'est un Brésil avec beaucoup d'opinions, de couleurs et d'orientations différentes. En tant que défenseur de la liberté, je dirigerai un gouvernement qui défendra et protégera les droits des citoyens, qui remplissent leurs devoirs et respectent la loi. Les lois sont pour tous. C'est ainsi que notre gouvernement va travailler, d'une manière constitutionnelle et démocratique. Les électeurs de Jair Bolsonaro disent être fatigués de la violence criminelle et des affaires de corruption des politiciens. Après Michel Temer et surtout Dilma Rousseff, Lula et le scandale Petrobras, ils ont voulu se débarrasser du Parti des travailleurs qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le candidat Fernando Haddad et ses partisans, encore nombreux, craignent pour leur avenir. Nous avons une énorme tâche qui nous attend dans ce pays. Défendre la liberté de penser, défendre la liberté de ces 45 millions de Brésiliens qui nous ont suivis jusqu'à présent. Fernando Haddad a tout de même récolté environ 45% des suffrages. Depuis 1985 et la fin de la dictature, c'est l'élection qui a le plus polarisé le pays. Ce scrutin jette une lumière crue sur les fractures du Brésil. Le pays semble bien coupé en deux à l'image de ses partisans des deux camps. Et pour nombre de femmes très mobilisées pendant la campagne, l'élection d'un misogyne machiste catholique, ennemi juré de l'avortement, est d'autant plus un drame. Voilà, c'est la journée arrivée d'un bout de l'augmentaire, mais juste avant d'en aller, n'a pas rappelé un point qui était fait essentiel. Travail infrastructure à construction route yo par poursuivre dans plusieurs communes dans pays dans cadre des caravanes changement Bilader Ilavache Kafobéo c'est parmi côté zone travail ça yo réalisé. Juge d'instruction ville Saint-Maclin maître Dionel Lumérin arrêté vendredi passé à directeur général de police nationale d'Haïti Godson Aurelius arrestation sa fête dans cadre instruction juge l'a mené dans dossier cargaison d'armes illégales qui était débarqué sous Saint-Maclin en date 8 septembre l'année 2016 là. Fédération nationale magistrat haïtien yo a organisé premier congrès national li la paix commencé jeudi 20 lundi 29 octobre là la paix bout 31 octobre cap vini là congrès a un espace réflexion sur situation collectivité territoriale yo. Et puis à l'échelle internationale Jean-Claude Degadé dans différents informations yo nous allons dans pays Brésil pour nous faire connaître Jair Bolsonaro c'est nouveau président pays Brésil là il remporté l'élection yo Yon Valais, 55% vote. Extrême droite là prend tête PIA pour un pile brésilien. Nouveau président a une responsabilité sauver pays brésilien. Voilà, nous décontents avec le commentaire. Vous êtes capable de voter pour première sortie téléjournal pour semaine. Si là, on a pas souhaité tout le monde passer une excellente semaine, mais surtout, on a pas vite arrêté. Branchez chaîne, vous êtes capable de suivre la programmation. Bon journée lundi à tout le monde.